non, non, il sait très bien que je n'aime pas ça. Tu dois te calmer, bébé. Ça, c'est l'Afrique, où les femmes sont censées être soumises. Maman, alors c'est comme ça qu'on doit vraiment manipuler les gens? Je sais que tu ne comprends pas tout ceci. Je le sais. C'est pour ça que tu les traites comme tu le fais. Et c'est même pour ça que tu as la facilité de te battre avec lui. Maman, pourquoi tu prends sa part? C'est moi qui suis la victime. Je ne prends pas sa part. C'est juste que je connais bien ma fille. Dieu merci, ma sœur est de retour. Salut. Salut, ma sœur. Maman, ça va? Bienvenue, ma chérie. Comment a été ta journée? Très bien. L'embouteillage m'a fait traîner le pas. Je sais. Pourquoi tu ne pars pas te rafraîchir le temps que je t'apporte à manger? Ok, maman. Entre-temps, tu peux commencer avec ça, bébé. Maman, j'étais bel et bien ici. Tu ne me dis toujours rien. Tu n'as pas demandé. J'ai t'ai posé une question, mais t'as pas répondu. Bye. Mais tu peux avoir raison, je crois que le dîner est déjà prêt. Ma sœur, ne sois pas comme ça. Sérieusement, tu dois t'apaiser, bébé. Ah, mais c'est un bonhomme et il mérite le meilleur de toi. Et je suis une femme qui désire l'attention et l'amour. Oui, je comprends. Mais tu dois y aller lentement. Puisqu'il n'a pas l'habitude de te parler à chaque fois qu'il est stressé. Mais je n'ai jamais vu un homme qui est aussi un bosseur et manqué d'horreur. Peu importe. Ce que je sais, c'est que je mérite le meilleur. J'ai l'oreille. Salut chérie. Salut chérie. Tu as l'air fatiguée, c'est quoi le problème? Chérie, c'est la fatigue de la journée. Tu sais, je travaille jusqu'à 18h parce que je ne travaille pas les samedis. Ouais, je comprends ça mon amour, mais tu vois, il n'y a rien que je puisse faire puisque tu as refusé d'arrêter ce travail pour commencer un business. Tu sais que je n'abandonnerai pas ma carrière. Et ça va? Et te voilà encore, toujours le même discours. C'est bien alors, je t'amène à la maison. Arrête, bébé, je t'ai déjà présenté mes excuses. J'étais vraiment occupé. Kevin, j'ai beaucoup supporté tout ça. Pour ton information, j'en ai marre. Bébé, s'il te plaît, non. Tu sais que tu es la raison de mon sourire. Oui, c'est vrai que mon travail prend beaucoup de temps dans notre relation, mais accorde-moi un peu de temps, je vais tout arranger. Kevin, j'ai déjà fait tout ça, mais tu ne changes pas. J'en ai vraiment marre et la façon dont les choses évoluent, je vois comme si ça ne marchera pas.
S'il te plaît, ne parle pas comme ça. Ne te mets pas dans cette humeur. D'accord? Kevin, même Dieu sait que je t'aime réellement. Mais c'est vraiment énorme. Je dois partir. Hey, bonjour chérie. Bonjour. Comment s'est passée la nuit? Bien, et la tienne? Pas du tout bonne. Mon bébé était fâché contre moi hier. Bébé, ça va, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'étais occupé par le travail. Tu connais bien mon boulot, non? Dieu merci, je me suis bien réveillée du bon côté de mon lit aujourd'hui. Je ne veux plus penser à hier. Ce que je veux faire maintenant est, en fait, faire quelques travaux de la maison et suivre quelques films. Ok. S'il te plaît, peux-tu ajouter le dîner à ton emploi du temps de la journée? Je veux y réfléchir. Je vais espérer ta réponse. Je dois partir. S'il te plaît, puis-je avoir un câlin? On se voit. D'accord. D'accord. On se voit après. Bye. Je t'attendrai. Alors, maman, comment allez-vous? Je vais bien. Et toi? Je vais très bien. Avec le travail et tout. Mais je suis désolé de ne pas venir vous voir pendant tout ce temps. C'est le travail, ces jours-ci, c'est vraiment intense. Je comprends. Et c'est pour ça que je t'ai toujours mis dans mes prières. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il te bénisse aussi. Peux-tu m'accorder juste quelques minutes le temps que je te fasse à manger? Ah, maman, il faut laisser ça, non? Ah, ah. Non, c'est pas ça. Sens-toi à l'aise. D'accord. Prenez votre temps, alors. Ok. Alors, comment ça va être demain? Et alors, demain? C'est l'anniversaire de mon bébé. Et j'ai l'intention de lui montrer à quel point je l'aime. Waouh! Donc tu t'es rappelé? Je ne peux pas oublier ça. Bien, je suis contente que tu t'es rappelé. Bien sûr que je me rappelle. Alors, comment ça se passera? Bon, je ne veux pas de quelque chose de très extraordinaire. Je veux juste passer le temps avec les gens que j'aime beaucoup. Toi, maman et Juliette. Ça, c'est tellement gentil. Ok. Et si après, on retourne chez moi et tu passes la nuit là-bas? Je veux réfléchir à propos. Sois le bienvenu. Merci, maman. De rien. Juliette? Oui, maman. Va jeter un œil sur ce que j'ai mis au feu. Ok. Oui. Une fois de plus, bienvenue, mon fils. Merci, maman. En effet, je suis venu vous voir. Pour vous informer que moi et Juliette avons décidé de nous marier cette année. Waouh! C'est une bonne nouvelle. Merci. Bien. Comme je l'ai toujours dit, peu importe ce que tous les deux vous voudriez faire, vous avez mon approbation. Merci, maman. Merci beaucoup. Je t'en prie. Honnêtement, je comprends ce que tu veux dire. J'aurais bien voulu changer les choses, mais tu sais ce qu'on dit sur le fait de ne pas être son propre boss. Crois-moi, je te comprends très bien, mais c'est vraiment ennuyant. Je sais. Une fois qu'on sera mariés,
Je vais changer, tu n'as pas à t'inquiéter là-dessus. Parlons à propos. Quand est-ce que nous allons nous marier? Qu'est-ce qui est amusant? Franchement, ta question. Ou nous n'allons pas nous marier, avoir des enfants, faire la vie ensemble ou quoi encore? Tu sais quoi? Je suis prêt. Donne-moi une date et ça sera fait. Ok, dans 3 mois, je vais finir mes études. Je savais que tu allais dire ça. Je crois que je dois dormir. Ok, viens. Bonne nuit. Bonjour, bonjour, mon rayon de soleil. Oui, bébé. Tu es déjà habillé? Oui, je dois être au bureau très tôt. Tu sais que je dois aller accompagner un témoin au tribunal. Ok, je comprends. Ne traîne pas aujourd'hui, s'il te plaît. D'accord. À présent, je vais prendre congé de toi. Ok. Prends soin de toi, d'accord? Merci, bon boulot à toi. Je t'appellerai. Un truc, ça n'ira plus. Regarde l'heure, je ne pense pas qu'il va encore venir. Ah, ma soeur, attendons un peu, non? Il va venir.
Tu sais quoi? Je vais aller me reposer. Comme ça, quand il vient, tu vas me réveiller. Ah ah, ma sœur. Je vais me relaxer un peu, s'il te plaît. Monsieur, monsieur, bougez non, bougez non. Mes gars, bougez sur la route non, bougez non. Salut, bébé. J'ai été coincé dans l'embouteillage. Bébé. Je suis vraiment désolé. Non, 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 non. Ne fais pas ça, bébé. S'il te plaît, bébé, ne fais pas ça avec moi. S'il te plaît, ne fais pas ça, bébé. C'était l'embouteillage. Bébé. Que t'as pas le droit de t'en prendre à moi. Tu es en train d'abuser d'une fille que je t'ai présentée et tu veux que je considère ça comme une exception? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pour l'amour de Dieu, ce que tu fais n'est pas juste. C'est une femme. Elle représente beaucoup pour moi et je ne peux pas te laisser abuser d'elle comme ça. Écoute, écoute, ses comportements me laissent vraiment désirer. Elle fait ce qu'elle veut, elle n'obéit pas à mes ordres. Elle fait ce qu'elle veut, ça me rend malade. Alors mets fin à cette relation. Arrête la relation. Oh mais non, tu es en train de te comporter comme un animal. Écoute copain,
dis ce que tu veux, imagine tout ce que tu veux. Mais ça, ne le mentionne plus. Le jour où tu le fais encore, tu vas me détester. Est-ce que nous sommes clairs? Est-ce que nous sommes clairs, Théophile? Allons-y. Ouvre ce portail. Thieu, s'il te plaît. N'ose pas raconter cette histoire à ma mère ou à Juliette, s'il te plaît. Ça va leur faire du mal. Sérieusement? C'est tout ce qui t'inquiète? Honnêtement, je pensais que tu devrais t'inquiéter à propos de ta propre vie. Tu ne comprends pas. Je ne veux pas qu'on me rappelle mon passé, s'il te plaît. Alors, que vas-tu faire cette fois-ci? Parce que la dernière fois qu'on en avait parlé, tu m'avais promis de rentrer le voir. Et avant que je ne dise « Jack », tu es rentré dans ta misère comme d'habitude. Il m'avait promis de ne plus jamais me frapper. Il me l'avait promis. Ok, as-tu le tenu à sa promesse? Est-ce qu'il l'a fait? Écoute, Marie, je vais couvrir cette folie pour la dernière fois. Juste parce que tu ne veux pas que maman et Juliette sachent à propos de tout ça. Ça va briser leur cœur, je comprends, et je ne veux pas que cela puisse arriver. Mais crois-moi, si cette folie se reproduisait, je vais exploser. Regarde-toi, est-ce que cette vie est vraiment faite pour toi? C'est vraiment comme ça que tu veux continuer avec ta vie? Être tabassé tous les jours de ta vie? C'est quel genre d'amour comme ça? Regarde ce que tu es en train de te faire. Je dois t'emmener à la maison. Je... Théophile, je suis très désolé pour toutes choses. Désolé pour ce qui s'est passé le jour-là. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris le jour-là. Tu sais comment ces choses énervent, comment ça agace vraiment. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je suis désolé, je dois le dire. Je suis très désolé. Je comprends, tu es désolé.
Tu n'as pas à lever ta main sur la personne que tu aimes. C'est une femme. Et toi, taper une femme, c'est pas bon. Écoute, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on ne cesse de nous parler à travers la télé et dans les réseaux sociaux partout, de la parité entre hommes et femmes. Tu dois comprendre ça, mon frère, c'est important. Tu vois, je ne vais plus le répéter. Mais tu vois, si c'était toi, peut-être tu allais faire pire, mais c'était moi. J'aime Marie. Oh non, tu ne l'aimes pas. Oui, parce que si tu aimais Marie, tu n'allais pas lui faire du mal. Théophile, c'est celui qui porte les chaussures qui sait comment ça lui fait mal. Mais toutefois, je suis désolé pour toute chose. Je suis vraiment désolé. Oui, mais que cela ne devienne pas une mauvaise habitude. À chaque fois que tu commets une bêtise, tu t'excuses et après tu refais la même chose. J'espère que cette fois-ci c'est pour de vrai, tu vois. Écoute, tu es mon ami. Les gens ne doivent pas penser que ce que tu fais, c'est ce que je fais parce qu'on marche ensemble. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu es très beau. Merci. Mais pourquoi ces cicatrices dans ton visage? J'avais connu un petit accident à la maison. Accident? Tu as été bon, si imprudente. D'où viens-tu et où est-ce que tu vas? Oh, je viens du boulot et je veux rencontrer un client en haut ici. Oh, ok, c'est bon. Ok, on peut se changer de numéro? Oui, bien sûr. Appelle-moi maintenant. Maintenant. C'est moi qui t'appelle. Viens-tu à cette heure-ci? Bébé, je... Quelle heure fait-il exactement? Il est 22h d'où passées. D'où viens-tu exactement à cette heure-ci? Je suis allée voir un ami. Laquelle de tes amis? Il s'appelle Kelvin, il m'avait appelé. Donc t'es allée voir ton ex? Bébé, j'avais quitté à temps, c'était l'embouteillage. T'es allé voir ton ex et c'était bref. Ok, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Je veux dire, si j'arrivais à découvrir que tu fais quelque chose que je n'aimerais pas avec ton ex, qui est ton ami, derrière moi, tu regretterais le jour où tu m'as rencontré. Chaque fois que nous sommes ensemble, doit-il? Pourquoi ce stupide essaie-t-il de détruire ma relation? Quel est le problème? Pourquoi ne peut-il pas nous laisser tranquille? Qu'est-ce qu'il veut au juste? Quel est exactement le problème? Mais il veut juste être un ami, non? Juste un ami, il n'y a pas quelque chose d'autre. T'as entendu toi-même, il essaie seulement d'être un ami. T'as entendu les bêtises que tu vomis? Nous savons tous comment ça se passe. Dès que t'es avec lui, des choses peuvent se passer. C'est ce que j'essaie d'éviter. Alors, quel est son problème? Pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Pourquoi ne pas se retirer? Oh, bébé, pourquoi est-ce que tu cries comme un chien enragé? Qu'est-ce qu'il y a? Je refuse des problèmes à cette heure. Oh. Je ne veux pas, s'il te plaît. J'ai l'air d'un disque rayé. Soudainement, j'ai l'air d'un disque rayé juste parce que j'essaie de protéger mon intérêt.
Maintenant, j'ai l'aide d'un disque rayé. Bébé, est-ce que tu sais vraiment que tu cries? Tu cries tous. Arrête, s'il te plaît, je t'en prie. C'est quoi? D'ailleurs, j'en veux plus. Emmène-moi à la maison, je veux rentrer déjà, s'il te plaît. Si tu montes dans cette voiture, je te ruinerai cette nuit. Bébé, pas cette nuit, s'il te plaît. Si tu montes dans cette voiture, je te ruinerai cette nuit. Tu es très stupide. Mais qu'est-ce que je veux faire ici? Dis-moi. Je ne suis pas en train de m'amuser. Mets-toi les calmes. S'il te plaît. Non, chérie, s'il te plaît. Mais je veux rester ici. J'ai l'aide d'un disque rayé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en prie. Non, s'il te plaît, mais tu veux me laisser ici. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Ne fais pas ça, non. Qu'est-ce que je veux faire? Ah, arrête. Oh, mon Dieu. Oh. Allô, Kelvin. S'il te plaît, viens me prendre pour m'emmener à la maison. Je suis vraiment bloquée. Non, sur la petite route de la ville. Oui, d'accord. Merci, je t'attends, s'il te plaît. Alors, c'est un peu ça mon histoire. Wow. Non, c'est vraiment mauvais. Je suis vraiment désolé pour tout ce que tu traverses, mais je te promets. Tous tes jours de chagrin sont terminés. Fais-moi confiance. Tu sais quoi? Essaie de dormir. Il est déjà tard. On en parlera demain matin. Et essaye de trouver une approche de solution. Ok. D'accord? Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas de me faire signe. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle a fait combien de temps ici?
4 jours. Ça fait 4 jours. Après ces terribles cauchemars que j'avais faits, je l'ai appelé. Je l'ai appelé à plusieurs reprises, mais son portable est éteint. Je lui ai appelé son petit ami. Et ce dernier m'a répondu en disant que ça faisait presque une semaine qu'il ne l'avait pas vu. Qu'ils ont eu une dispute. Et tel que je vous parle à présent, je suis très confuse. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Maman, si elle n'est pas là où elle est censée être, où est-ce qu'elle serait maintenant? Je ne sais pas. Je pense que vous devez juste continuer à essayer. Continuez, peut-être que ça pourra sonner, essayez. Je crois que je dois appeler la police et déposer une plainte. Je le ferai. Ça fait des jours maintenant que Marie a visité ma maison, alors de quoi parles-tu exactement? Hé, ne joue pas ça avec moi. Tu sais certainement à propos d'elle. Si j'insistais que je ne connais rien? Je ne suis pas un enfant, je ne peux pas me forcer à parler. Bien, je pense qu'elle n'est pas une enfant. Elle sait elle-même là où elle allait, alors pourquoi ne pas rentrer? Je ne sais pas ce que tu as l'intention de faire. Mais peu importe ce que c'est, je te tiens à l'œil. Pourquoi agit-il comme ça? Parce que ton ami est malade. Il est tellement malade de telle emprise que chaque réaction venant de lui à son égard est biaisée. Que veux-tu dire? Je ne vais pas me faire passer pour une sœur jalouse. Allez, sœur. Je t'ai sorti avec elle toutes les années à l'université. Nous avons servi, ça fait 3 ans déjà. Alors qu'est-ce que j'ai encore trouvé en elle? J'en sais rien. Les gars, vous êtes encore trop jeunes. Alors, je ne veux pas que vous soyez pressés avec vos décisions pour les regretter plus tard. Sœur, il n'y a pas de précipitation. C'est le sœur qui joue. Alors, qu'en es-tu de tes médocs? J'espère que tu n'as pas arrêté la cure. S'il avait fait, penses-tu que j'aurais souri après la question-là? T'inquiète pas, moi, si j'ai d'accord, je crois que tout ira bien, ok? Si tu l'es dit. Allô, bébé. Quelle nouvelle? Je veux bien, et toi? Oui, c'est fait. Il n'y a pas longtemps, ça fait déjà quelques heures. Oui, je comprends. Tu me manques aussi, bébé. Oui, bébé. Oui. Qu'est-ce que ton amoureux t'a raconté? Il veut juste savoir comment nous allons. Ah! C'est ce que tu crois? Yeah. Parfait, c'est pas un problème. J'ai l'impression que Val est très impatient concernant la cérémonie du mariage. Je veux dire, c'est très évident qu'il n'arrive pas à attendre jusqu'à demain la nuit. Tu peux le dire encore. Mais quand sérieux? J'essaie de lui demander, il était genre... que je lui manque beaucoup. Je l'ai compris. Ça, c'est vrai, mais tu sais que ça fait déjà 9 mois. Mmh. Alors t'inquiète, je comprends. Je suis contente pour toi. Merci, chérie. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Comment tu les trouves? Ben, je crois que j'aime celui-ci. Oui, ça. Ça, sérieux, moi aussi j'ai apprécié. Thank you.
Cendrillon, tu as un appel. Oh. Allô? Hé hey, bébé, bonjour. Est-ce que tu as assez dormi? Parce que je sais que d'habitude, tu te réveilles toujours à 9h. Donne-moi ça. Elle t'aime aussi. S'il te plaît, je vais voir comment ça donne. C'est ça, oui, tu as raison. Elle t'aime aussi. Oui, ok. La journée était très stressante et j'ai hâte d'aller à l'hôtel pour me reposer. Okay. Merci beaucoup. Merci. Hey yo, je t'en prie, bro. Et ensemble. Merci. Ouais, ouais ça a vraiment été merveilleux. Tu sais, je suis béni. Je suis béni. Tu sais pourquoi? Quoi? Tu es une bénédiction. Et quand je compte mes bénédictions, je te compte deux fois. Merci. Tu es une bénédiction, je t'aime tellement. Aussi. Je t'aime de tout mon cœur. Merci, je t'aime beaucoup. Regarde devant. Sois concentré devant moi. Je regardais les tourtereaux. Je le sais, moi aussi. Je suis très contente pour eux. Ouais, très contente pour eux. Alors, frangin. Ah ouais. Quand est-ce que tu feras ton mariage? À très bientôt, je pense. Très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Très bientôt. On y arrive bientôt, n'est-ce pas? Ouais. Vraiment? Nous allons participer à son mariage en tant que les membres de sa famille. Ok. Bien sûr, j'espère que mon mariage sera meilleur que le vôtre. Je ne crois pas ça. Je ne le crois pas. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une fille qui soit aussi belle comme ma femme. Tu en es sûr? Non, aucune fille. Aucune demoiselle ne peut être belle comme ma femme. Oui, bien. Je t'aime tellement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oh, Dieu merci pour le succès de ce mariage. Quelle journée merveilleuse. Je suis béni. Et te voilà. Je suis béni parce que tu as une bénédiction. Merci. Très bien, les gars. Ouais, nous y voilà. Oh mon Dieu. Frangin, merci beaucoup. Ah ok, je vous en prie. Désolé mon amour. Perturbé. Ah, en
Enfin, on est arrivé à la maison. Pourquoi cette porte ne ferme pas? Dorénavant, tu es Madame Valentin. Vraiment? Ça, c'est un beau nom, n'est-ce pas? Madame Valentin, je t'ai promis ceci. Et je ne l'ai pas oublié. Laisse-moi te montrer ce que j'avais promis. Puis tu attends un peu. Bienvenue à la maison. Attends, je me sens fatiguée. Oh, je peux pas croire que tu es maintenant Madame Valentin. Mais ça sonne bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre. Vais-je être habituée à ça? Pourquoi pas? T'appeler Madame. Mais c'est une belle chose, finalement nous voici. Oui. C'est joli quand même. Ce qui veut dire que tu dois t'apprêter à porter des bébés. J'en ai hâte. Oui, je sais que tu as hâte. Et je l'ai également. Que penses-tu? Je t'aime beaucoup. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime tellement. T'es prête pour les bébés? T'es prête? Ça, c'est oui. Quelque chose de spécial pour une nuit spéciale. Tu écoutes ça? C'est bien, non? Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Maintenant, pour toujours. J'espère que je peux bien enlever ça. J'ai réussi. Foutaise. Bébé. C'est à toi que je parlais. Attends, es-tu en quelque sorte jalouse de nos amis? L'es-tu? Honnêtement, Tim, ce que je souhaite tout de suite est qu'une main invisible te donne une bonne gifle pour tes bêtises que tu racontes. Es-tu sérieux? Vas-tu me blâmer si jamais j'étais jalouse? N'est-ce pas que tous les deux on s'est rencontrés avant on va aller fête? Alors pourquoi ils se sont mariés avant nous? Mais t'es incroyable! Écoute! C'est peut-être parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas eux. Nous ne sommes pas prêts. Ça c'est pour toi. C'est toi, ok? Je suis prête et tu le sais. Écoute, bébé. Je ne sais pas ce que tu attends. Tu es celui que j'aime. Je veux dire, je ne sais pas, pour l'amour du Christ, qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir mes parents? Quoi? Tu sais que je suis prête. C'est toi, Nathan, qui est toi. C'est toi. Dois porter l'anneau, s'il te plaît. Je le veux, s'il te plaît. Je suis fatiguée de porter cette bague de fiançailles. Bébé, s'il te plaît. Bébé, tiens donc. Je veux que tu me comprennes. Ok? Donne-moi un peu de temps. En fait, donnons-nous un peu de temps. Ça va? C'est vrai? Oui. Bien. Excellent. Parfait. Ok? Très bien. Tu sais où me trouver quand tu seras prêt. Où est-ce que tu vas? Attends, bébé. Excuse-moi. Beyoncé! Tiens donc, mais où est-ce qu'elle va?
Bébé. Bébé. Bébé, j'ai une surprise pour toi. Quelle surprise? Non, t'inquiète pas par rapport à l'heure. Je sais que tu vas l'aimer. Je te promets. S'il te plaît. Oh, je suis fatiguée. Allez, bébé. Je promets que tu vas l'aimer. Je promets. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête de faire gros bébé, arrête de faire gros bébé, arrête de faire gros bébé. Allons-y. S'il te plaît, tu sais que j'ai eu mon bain, va dans le lit, au lit. Sérieusement, je suis fatiguée. On peut le faire demain, ok? Je fais tout ceci pour toi. Je l'apprécierais si tu venais, c'est pour qu'on prenne la douche. S'il te plaît, j'apprécie et je t'aime pour ça. Oh, s'il te plaît. Demain. Je dis, viens, prenons la douche. Je suis désolé. Tu m'as fait peur. Désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai quelque chose. Ici pour toi. C'est quoi? Je veux que tu devines. Tu sais que je ne saurais pas deviner. Ouais, tu n'es pas du genre qui devine. Oh mon Dieu. Ouais. Oh waouh. Tu mérites plus. Mais avec le temps. Merci. Tu en auras. Tu auras tout ce que tu veux avec le temps sur un plateau d'or. Merci beaucoup. Je suis désolé. Pourquoi tu m'as poussé à faire ceci? Pourquoi tu m'as poussé à le faire? Je n'avais pas l'intention de te faire ceci. Bébé, je suis désolé, bébé. Bébé, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Bébé, s'il te plaît, bébé, s'il te plaît, désolé, bébé. Je suis désolé, bébé. Très désolé, bébé. Demande-moi tout ce que tu veux. Bébé. Demande-moi tout ce que tu veux.
Pardonne-moi, bébé, s'il te plaît. Je n'avais pas l'intention de faire ceci. Pardonne-moi, bébé. Laissez-moi pleurer mon enfant. Hey, ma fille, oh, c'est quoi le problème, mon Dieu? Ma fille, pourquoi? Ta mère est ici, sors de la chambre, je suis là. Viens voir ta mère, je suis là-haut. C'est très étrange. Quoi? Comment peut-elle mourir juste comme ça? Elle était en pleine forme après leur mariage? Ou soit, peut-être qu'elle était malade et que je ne le savais pas. Bébé, tu as vraiment raison. Faith n'était pas malade. Elle n'était pas malade. Elle était en bonne santé à 100%. Va et elles sont venues à l'hôpital il y a une semaine. Nous avons fait des examens généraux et ils allaient bien. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qui pourrait-il tuer ma meilleure amie? Bébé, s'il te plaît, ne te pose pas ce genre de questions, ok? Ça va. Je pense que les questions que tu te poses doivent être dirigées à Var. Oui. Je pense que la police devrait lui poser quelques questions parce que l'apparence que j'ai vue dans son visage aujourd'hui était suspecte. À moi, ça l'était. Quoi? Bébé, que veux-tu dire? Je suis désolé. Excuse-moi. Ok. Maman, tu t'inquiètes beaucoup. Allez, je pense que tu l'aimes. Ma chère, ce n'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer. Ce qui est vrai, c'est que j'aime Val. Mais en tant que mère, je dois poser toutes les questions possibles. Parce que le mariage n'est pas quelque chose que l'on entre pour sauter ou sortir quand on veut. Hein? Maman, tu sais entrer et sortir. Ce n'est pas ça qui importe. Je l'aime et il m'aime aussi. Qu'est-ce que tu veux encore entendre? Il y a encore tant de choses. Ce n'est pas seulement l'amour. L'amour n'est pas tout, ma fille. Mais si c'est ce que tu dis et que tu l'aimes vraiment, je veux que tu sois sûre. Oui, maman. Je te souhaite de bonne chance. Je te souhaite plein succès. Merci, mon maman. Dieu va te faire du bien. Merci beaucoup. J'ai apprécié. Tu t'inquiètes beaucoup. Tout ce que je veux que tu aies à l'esprit maintenant, c'est de préparer à prendre soin de tes petits-enfants parce qu'ils ne sont plus loin. Tu n'as même pas encore fini les mariages et puis tu me parles des enfants. Non, termine d'abord les mariages puis tu auras les enfants après, c'est ça. Tu me parles des enfants, je suis prête. Il n'y a pas de problème. Thank you.
pendant combien de temps? Pendant combien de temps vas-tu continuer à pleurer? Même si tu pleures, maman, elle ne va pas rentrer. Nous l'aimions tous beaucoup. Mais nos larmes ne peuvent pas la ramener en vie. Elle ne rentrera jamais. Je suis ton fils. Ton mauvais garçon. Ton soldat. Maman, je ne permettrai pas que quelque chose t'arrive. Je ne permettrai à personne de te toucher. S'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, maman. Vaol, arrête de faire ça. Crois-moi que ce temps est difficile pour nous tous. Mais je ne peux pas continuer ainsi. Écoute, je sais ce que ça fait quand tu perds quelqu'un que tu aimes. Mais tu dois être fort. Tu dois mettre tes deux pieds sur terre pour que tu surpasses ce moment. Ok? Tu dois vraiment te calmer. C'est pour ton bien. Tu dois le faire pour nous tous. Alors tu dois être fort. Promets-moi, Vaol, ok? Elle nous manque à tous. Mais on ne peut questionner Dieu. Je sais combien tu aimais Faith. Et je sais aussi combien tu souffres, Val. Mais Val, s'il te plaît, je veux que tu te ressaisisses. Rester cloîtré à la maison en vivant tout le jour, c'est ça la meilleure option? S'il te plaît. Pourquoi m'a-t-elle trompé avec mon cousin? Que racontes-tu? Qui t'a trahi avec ton cousin? Faith, bien sûr. Jamais de la vie. Val. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi pour l'amour du ciel. Faith ne t'a jamais trahi et c'est là même pas en rêve. Moïse. Je vais te poser la question pour la dernière fois. Et je te jure, si tu me mens encore,
Peu importe notre relation, je vais te perdre. Pourquoi as-tu couché avec ma femme? Je ne sais pas quoi d'autre tu veux que je dise. Mais je vais toujours me répéter. Ta femme était un ange. Son amour pour toi était tellement pur. Elle t'aimait beaucoup. Pourquoi fais-tu ça à ton propre cousin? Tu continues par me dire ça. Tu continues par me dire la même chose. Même lorsque ton ami Tim lui faisait des avances, elle avait essayé de te le dire, mais il n'avait pas arrêté. Elle était tellement amoureuse, elle ne pouvait pas te tricher. Allez, frère, tu mens. Tim est mon ami. Il ne peut pas faire ça. Tu ne crois pas à ton cousin? Ton sang? Tu sais quoi? Tout ce que tu as à dire, c'est du mensonge. C'est tout ce que tu sais faire. T'es un menteur. Je ne peux pas te mentir. Mon frère, je ne peux pas te faire ça. Mon frère, tu sais bien qu'est-ce que j'ai dit, frère. Tu mais sais. Pourquoi l'as-tu fait? Tim, reviens par ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que c'est? Le sexe? Ah, est-ce la tenue? Dis-moi s'il te plaît, ne suis-je pas belle? Juste, parle-moi, Tim. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Oh mon Dieu, je crois que je vais craquer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh oui, j'étais en effet amoureux d'elle. J'étais amoureux d'elle. Et alors quoi? C'est elle que je voulais, mais en fait, elle avait choisi va. Alors je devais me débrouiller et en vivant avec toi, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Nam, tu veux partir? Tu veux déjà partir pour tes études? Déjà ce week-end, tu dois partir pour faire tes examens et le test. Moi, je serai bien. Maman, je ferai mes examens. Mais pour l'instant, je vais rester avec toi. T'inquiète. Tu dois partir pour terminer tes études. Tu dois vraiment partir. Moi, je serai bien. Tu dois partir. Na, bienvenue. Merci, maman. Bienvenue. Bienvenue. Tu peux venir te mettre ici. Oh, s'il te plaît, on peut entrer maman, à l'intérieur. S'il te plaît.
Je pense que nous devons entrer. Hein? Je pense que j'ai tué Fif. Quoi? Cette blague est trop mal placée. Nous faisons toujours notre deuil. Mon cher, je te comprends très bien. Hein? Entrant, je sais que la douleur est trop énorme. Maman, tu ne comprends pas. On doit entrer pour que tu te calmes un peu. Hein? Je n'attends pas ce que vous me pardonnez, mais je ne peux plus le garder secret. J'ai bon de vous le dire. Je suis désolé. Toi, bâtard, tu as tué ma soeur. Oh, tu as tué ma soeur. Dis-moi que c'est faux ce que tu racontes. Dis-moi. Je ne suis pas. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi que tu blagues. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu l'avais tué? Pourquoi l'avais-tu tué? Dis-moi. Qu'est-ce que ma fille t'avait fait? Qu'est-ce qu'elle t'avait fait, mon Dieu? Je suis très désolé. Tu n'es qu'elle est mort. Je suis très désolé. Qu'est-ce que ma fille t'avait fait? C'est quoi? Mais pourquoi? Mon Dieu, pourquoi seulement ma fille? Mon Dieu, ma fille, qu'est-ce qu'elle t'avait fait? Thank you.
Salut. Salut. Comment se sont passés les cours? Bien. Alors, où est-ce que tu vas? Mais je rentre à la maison. Désolé de te déranger, mais je voudrais savoir si tu as considéré ma proposition. Je voudrais vraiment sortir avec toi. Ça, si tu le veux bien. Tu sais, honnêtement, ces derniers temps, je suis en train de préparer mon examen qui commence bientôt. Je ne pense pas que j'aurai le temps. Attendons voir comment ça va aller. Ok, mais je suis vraiment confus. Je ne sais pas si c'est oui. Dis-moi la raison pour laquelle on est venu ici. Ouais, je pensais que c'était ton anniversaire. Tu sais, si on ne s'était pas vu au courant de la semaine, ça allait dire que tu souffres de quelque chose, que tu es malade. Ah, oh, j'ai oublié que ta date n'est pas aujourd'hui. J'espère que tu sais que je suis prêt à te donner le monde dans un plateau d'or. Et s'il y a quelques raisons pour lesquelles je peux faire ça, je veux vraiment créer un monde pour toi et te le donner sur un plateau d'or. Ah, ok, pardonne-moi d'être si amusant, mais je... ce que j'essaie de dire est que... Oh mon Dieu! Vas-tu m'épouser? Ok, je prends ça pour un oui. Je vais t'épouser, mais promets-moi que tu ne feras pas couler mes larmes. J'ai pas l'intention de faire ça. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tellement. Je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime beaucoup. Serveur, peux-tu envoyer quelques verres ici? Serveur!
Ah. Quoi? Faites Moïse. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais Moïse, Moïse est mon cousin bien-aimé et je sais que nous sommes engagés. Je veux dire, c'est... oh non, ce n'est pas possible. Faith, je veux dire, elle sait à quel point je l'aime elle-même aussi, donc elle ne peut pas faire ça. Non, ça c'est faux, ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. C'est pas mon arriver, ami, c'est faux. Va. Tu es mon cher ami et patient. Pourquoi nier la vérité quand ça saute aux yeux? Ce que tu as entre tes mains sont des photos réelles, des évidences concrètes. Alors pourquoi croire à ton soi-disant frère ou quoi que ce soit? Ton cousin? Mon pote, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Non, pas Moïse, pas lui, papa, maman. Je sais que je ne devrais pas te dire ça. À cause des règles qui régissent l'intimité entre un médecin avec son patient. Mais, es-tu au courant que Faith vient à l'hôpital pour avorter? Oui, elle est venue, je croyais d'abord que c'était toi, mais quand tu es parti aux USA pour 9 mois, j'étais un peu dérangé, alors je devais lui demander. Je lui ai demandé et elle s'est confiée à moi. Elle s'est fait donc engrosser par Moses, ton soi-disant cousin. Elle a avorté en répétition comme une fois après chaque 3 mois. Et si j'ai une bonne mémoire, ça doit être plus de 3 fois. Elle a dit, elle ne vit avec toi que parce que tu as plus d'argent et beaucoup plus influent que ton cousin Moses. Écoute mon frère, j'aimerais juste que tu le saches, parce que tu es un homme. Sois un homme. Je t'aime. Bébé, là quoi? Souris, souris. Ça me plaît quand tu souris. Sais-tu que t'es vilaine quand tu serres la mine? Je ne me retrouve pas encore, Megan. Pourquoi ne pas me dire pourquoi tu serres? Pourquoi tu serres la mine? Oh non. C'est à cause de moi? Non, je sais que c'est à cause de moi. Ce n'est pas c'est toi. Moi. Oh Dieu. Allez, c'est toujours moi. Oh non. Alors si tu vas bien plus t'embrasser? Non. Puis-je? Alors, tu me refuses ça? D'accord. Faut emporter mon téléphone. Ok. Je ne veux pas perdre ce match. Tiens, touche à rien. S'il te plaît, dépêche-toi un peu. Ok. Calme-toi. Val, calme-toi. Calme-toi, tu sais ce que tu peux te causer avec ça, s'il te plaît. Calme-toi, ok? Tout ira bien.
Calme-toi, ça va aller. Je suis vraiment désolé. Désolé de t'avoir menti. Je suis désolé de t'avoir menti, va. Je l'avais fait pour que tu la quittes. S'il te plaît. Honnêtement. Je l'avais fait pour que tu la quittes. Je t'en prie. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne voulais pas que tu la tues. Oui, bébé. Chai. Oui, qu'est-ce qui ne va pas lui. Avec cette fille? Hein? Ça a commencé okay, comme des jeux et maintenant c'est devenu sérieux. Je pourrais finir. Et maintenant ils veulent se marier. Nawao. Nawao. Timo, pourquoi tu as laissé oui, faire bébé. Ça? Oh, hein? Tu m'es. Chérie, donc tu vais la rater comme ça. Idiote. Qu'elle aille au diable. Elle m'envoie des bisous. Les bisous, n'importe quoi. Si je te viole maintenant, les gens vont dire que j'ai mal fait. Si je t'arrache les... Ah, Dieu. Ok, que Dieu te punisse. Va aller rentrer. Oh, vraiment? Il doit me voir autant vite que possible. Il m'a beaucoup manqué. C'est bon alors. Donc il sera bientôt là. Conducteur. Et donc ce n'était pas pour toujours. La foudre qui va s'abattre sur toi. Faith. Honnêtement, Chint, c'est comme ça que tu es. Je suis comment? Oh, Jésus. Van et moi t'appelons un ami intime. Et tu veux lui faire un sale coup en courant derrière moi? Je ne suis pas la basse foi. Je pensais que tu... Ta copine est ma meilleure amie. Tu me fais de la triche en sortant avec toi. Jésus. Mais où est le mal? Tu es malade que je ne le pensais. Es-tu sérieux? Oui, hey. Tu n'as pas tort. Le fille triche comme tu l'as bien dit. Moi, je suis la femme d'un homme qui est engagé avec l'homme de ses rêves. Attendant son retour après 9 mois qu'il a eu dans ses business. Pour qu'enfin on se marie. Alors pardon, excuse-moi. Faith, au moins laisse-moi te déposer. Va. Quand elle avait refusé mon approche, j'avais peur qu'elle raconte tout ce que j'avais fait. Alors, Dieu... J'ai fabriqué toutes ces histoires. C'était du mensonge. Je suis désolé. Les photos étaient truquées. Traitées avec Photoshop. Je veux dire... Même le... message que tu as vu, ce n'était pas de son téléphone. J'avais pris cette avance. Mais tu dois me comprendre, mec. Ce n'est pas comme si je te voulais du mal. Non. Nous venons de loin.
Val, s'il te plaît, pardonne-lui. Tu sais déjà la vérité. S'il te plaît, supplie les Moses. Va, s'il te plaît, épargne ma vie. Épargne sa vie, s'il te plaît. Ne penses-tu pas que c'est déjà tard? S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, va. S'il te plaît, va, je t'en prie. S'il te plaît, tu as déjà brisé ma tête. S'il te plaît, hein? S'il te plaît. Des excuses n'ont plus d'importance. S'il te plaît. C'est ça. Viens, prie. Prie. Éternel, nous venons ici te prier. Nous venons prier, Amen. Oh Dieu, au sujet de ma petite sœur. Éternel Dieu, je te prie de la garder où elle est. Oh Dieu, fais-la bénéficier de ta protection. Au nom de Jésus. Amen. Oh Éternel, couvre-la par ton sang. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi non, c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi veux-tu me faire passer pour une mauvaise personne? Pourquoi? Dis-moi pourquoi? Pourquoi? Que faites-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Lâchez-moi, Attrape-le. Attrape ça. Tu vas bien? Est-ce que ça va? Ça va? Allez, va chercher une fois tout ce que tu trouves. Très vite. Tu es en état d'arrestation. Tu es conseillé de garder le silence et de refuser de répondre aux questions. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi dans ce tribunal. Je connais mon droit. Attache-le. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu ferais mieux de garder le silence. Imbécile. De n'importe quoi. Tu es séquestré, une innocente fille ici, en train de la torturer chaque jour. Imbécile! Bâtard comme ça. Est-ce que tu vas bien? Allez, viens m'aider.